avec Benoît Jasmin, ailier de l'US Carcassonne. Benoît, après presque 6 mois sans match, vous allez très certainement, en tout cas on vous le souhaite, retrouver la compétition. J'imagine que ça fait plaisir. Ah ouais, ça fait plaisir, surtout que bon, encore il y a les tests qui sont à vérifier, mais j'espère qu'on va pouvoir jouer dimanche et surtout revoir le public et pouvoir que les sensations vont revenir au niveau des matchs. Quoi. Comment s'est passée cette préparation physique qu'on peut quand même qualifier de tronquée et particulière? Bon, tronquée, elle a été dure, pas vraiment tronquée parce qu'elle a été dure cette préparation physique, on a repris par petits groupes. Et après, on a repris en collectif quand ça a été validé. Donc, ça a été dur, ça a été intense avec un peu un stage qui a été épique, on va dire ça. Et surtout ces matchs de préparation qui, nous, on n'a pas eu de matchs de préparation, donc on ne sait pas, on va vers l'inconnu. Oyonnax est un petit peu dans le même cas que vous. Il me semble qu'ils ont quand même eu le loisir de faire un match amical. Donc ça va être un match vraiment particulier pour les deux formations parce que vous allez débuter cette rencontre sans repère, mais vous aurez certainement une pression supplémentaire du fait de débuter la saison à domicile devant votre public. Ça c'est sûr, surtout qu'on rencontre un gros. Eux ils ont eu un premier match contre Grenoble, après ils ont eu des problèmes de Corona, donc ils ont repris avec des petits groupes, donc je ne sais pas dans quel état ils sont, même état physique ou mental. Mais nous, on est content de retrouver les terrains et on va tout donner pour pouvoir gagner ce match dimanche. Merci Benoît et bon match. Merci à vous.